Le quartier Bordeaux est l'un des quartiers périphériques de la commune urbaine de Cancan. Il a bénéficié de la construction d'un marché dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance. Mais cet édifice est jusqu'ici inachevé, ce qui suscite le mécontentement et la colère des habitants. Cela fait 6 ans qu'on est là avec notre atelier de couture. Depuis que les travailleurs là ont disparu, on ne voit rien et on ne fait que souffrir. On se déplace jusqu'au centre-ville. Cela coûte 10 000 francs aller et retour. Chaque fois, on entend que l'entreprise est en route pour achever les travaux. Mais franchement, on ne voit rien. On a envie de rentrer dans notre marché, mais on ne sait pas qui va nous aider maintenant. Moi, à ma pensée, moi, je demande votre volontairement de demander le chef d'État qu'à nous aider maintenant. Puis on ne sait pas que c'est à retarder le marché, quoi. Mais chaque fois, il faut que nous sensibiliser tout le temps là. On n'a pas d'autre moyen à faire. On vous prie. Vous allez nous aider à avoir bonne route pour ouvrir notre marché ici-là. Ce marché est aujourd'hui à la merci des voleurs, animaux et autres jeunes délinquants. Ce n'est pas tout. Il est devenu une sorte de chambre de passage pour des couples. Cela fait plusieurs années que ce marché ne finit pas. Les voleurs sont venus voler certaines portes. C'est moi qui ai acheté les antivols puisque je ne suis pas loin. Souvent, je viens chasser les enfants. Les jeunes du quartier viennent se saouler ici et d'autres prennent du chanvre indien. Chaque nuit, des jeunes viennent satisfaire leur libido ici. On ne fait que les chasser. Donc notre vœu, c'est la finition de ce marché. Alpha Condé doit nous aider. Selon des informations, l'ingénieur qui était en charge de la construction du marché Bordeaux se serait volatilisé dans la nature avec le reste de l'argent. Mais le chef de quartier Famourou Diawara ne semble pas connaître l'identité de l'individu. Je peux vous donner le nom de l'entrepreneur, mais je ne connais pas le nom de l'entreprise. C'est l'entreprise qui était pilotée par Jabi. Mon frère, le quartier est très loin de ça. Le contrat a été ficelé, tout ça, nous on l'a vu comme ça. Il a disparu comme ça. Et quand il est venu, on lui a montré la place, il a commencé le travail. Mais vous savez, ces entrepreneurs n'ont pas de contrat, ils sont de quartier. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que le travail qu'ils leur ont confié, on veille sur ça, c'est tout. Ce sont deux marchés qui ont été offerts à la ville de Cancan. Celui du quartier Cancan-Croix a eu la chance d'être inauguré. Les citoyens de Bordeaux doivent garder leur mal en patience.